Bonjour, bienvenue sur cette 9e vidéo. C'est probablement dans l'ensemble des vidéos une des plus importantes parce qu'elle s'adresse à votre système de valeurs. Parfois, les gens ne se rendent pas compte, mais une des erreurs majeures, c'est qu'on perd dans notre vie peu à peu avec les habitudes quotidiennes entre sa vie de couple, sa vie de famille, ses enfants, sa vie sociale, sa vie professionnelle. On perd peu à peu le sens de ce pourquoi on s'est engagé. On perd un peu le sens de ce qui nous anime et du coup, on se retrouve dans des situations où à un moment donné, on n'est plus autant stimulé qu'on l'aurait souhaité. Et c'est le moment, là, pour le coup, de travailler sur votre système de valeurs. Il faut savoir que le système de valeurs, c'est quelque chose de pleinement vivant. Alors, comment on aborde cette 4e journée sur les valeurs? Eh bien, on va passer par 6 étapes qu'on va faire sur un jour et demi environ dans ce niveau 2 de technicien. La première étape consiste à identifier de manière très large l'ensemble des valeurs que vous nourrissez dans votre vie, que ce soit sur le plan personnel, social, familial, à l'égard de l'argent, de votre santé, de votre vie professionnelle. Bref, on va faire le tour de tous les domaines de votre vie pour aller identifier ce qui vous porte vraiment. Une fois ce travail fait, vous allez vous retrouver avec 30, 40, 50, 60 valeurs qui ont été mises à jour. Et à partir de là, on va vous aider, grâce à un protocole qui prend en compte le niveau préconscient et inconscient, à identifier ce qui fondamentalement vous anime le plus. Qu'est-ce qui vous nourrit le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Ce n'est pas tout d'avoir mis au jour des valeurs. Après, il faut aller chercher celles qui sont les plus importantes, en commençant par la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Et au fond, on est vraiment dans ce rapport des 20% qui conditionnent 80% des autres valeurs. Et c'est pour ça qu'on va remettre le doigt là-dessus. Et puis enfin, on va travailler sur la définition émotionnelle que vous mettez derrière chacune des valeurs. Ce n'est pas le tout de savoir qu'on a envie d'être libre, mais il faut pouvoir comprendre, pas comprendre, mais j'ai envie de dire, ressentir pleinement les expériences de liberté dans lesquelles, ces fameuses expériences dans lesquelles vous avez justement nourri cette valeur pour que vous ayez une définition qui soit beaucoup plus émotionnelle. Et c'est dans ce terrain-là qu'on va rentrer dans cette troisième partie de la journée. Pour enfin terminer sur l'incarnation de l'ensemble de vos nouvelles valeurs, c'est-à-dire qu'on va vivre chacune des valeurs à 200% au niveau physique, énergétique, émotionnel, mental et même spirituel. Donc la première avec beaucoup d'intensité, la deuxième valeur avec beaucoup d'intensité, la troisième valeur, quatrième valeur, cinquième valeur. Pourquoi? Pour avoir une intégration dans l'ensemble de votre système nerveux, pour vraiment vous sachiez de quoi vous parlez, de qu'est-ce que vous ressentez et quels sont ces sentiments qui conditionnent les meilleurs comportements que vous pouvez développer dans votre vie quand vous êtes vraiment aligné à la personne, à la belle personne que vous êtes. C'est vraiment un travail de reconnexion avec son âme profonde. Une fois qu'on aura fait cette 4e journée, très intense, vous allez le voir, on va passer la nuit à laisser reposer tout ça pour reprendre le travail le lendemain, pour aller identifier cette fois-ci vos rituels quotidiens. Quels sont ces comportements que vous avez chaque jour et qui déshonorent ces valeurs les plus fondamentales? Quelles sont ces attitudes qui vous conviennent plus, que ce soit vis-à-vis de vous-même, de vos proches, de votre environnement? C'est très important d'identifier. Alors, pas le truc que vous avez une fois par an qui vous décale de vos valeurs, mais ce que vous faites pratiquement dans votre quotidien pour transformer ça. Donc ça, c'est la 5e partie, identifier ces comportements qui m'éloignent, qui déshonorent mes valeurs, pour enfin entrer dans la 6e partie qu'on appelle le chemin de vie. C'est un des protocoles majeurs de l'ensemble du programme de ces 6 jours, transformer votre potentiel, où là, vous allez reconnecter pleinement à vos valeurs, identifier ce qui va se passer dans 1 mois, puis dans 3 mois, puis dans 6 mois, puis dans 1 an, puis dans 2 ans, dans votre vie, si vous êtes vraiment en phase. Identifier aussi par différence qu'est-ce qui va se passer si dans 1 mois, vous êtes à côté de vos valeurs par rapport à votre vie, si vous continuez dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, en fait, pour aller ressentir cette fois-ci non pas le bien-être que vous tirez des valeurs, mais le mal-être que procure le fait de ne pas prendre en compte vos valeurs. Et vous allez voir, on va ancrer ça profondément dans votre préconscient et votre inconscient, et c'est lui qui après va conduire votre vie véritablement en phase avec vos aspirations. C'est pour ça que ce protocole existe. C'est vraiment une technique puissante. J'espère pouvoir vraiment vous enseigner ça, que ce soit à travers les vidéos ou dans le cadre des formations en salle. On se retrouve très vite pour la vidéo suivante, vous allez voir, passionnante sur la communication. Mais surtout, ne ratez pas cette dimension sur les valeurs. Merci à vous, on se retrouve très vite pour la suite.